c'est un bateau qui fait 550 kg avec le pilote dessus. Et quand c'est bien réglé, on avoisine les 200 km/h en bout de ligne droite, quoi. Donc, autant dire que des bateaux qui sont courts, qui sont super larges, qui sont légers, en bout de ligne droite, c'est compliqué à tenir. À 200 km/h, c'est vraiment dur à tenir. Dès qu'on passe la barre des 190, on sent que le bateau change totalement de comportement. Et là, il faut prendre des risques et il faut être très très vigilant pour essayer de le maintenir jusqu'au bout de la ligne droite sans commettre d'erreur. Ça change des autres sports comme la moto ou la voiture, c'est d'autres sensations qu'on a sur l'eau et c'est pas du tout pareil, ça procure beaucoup de sensations. Moi c'est ce que j'aime, c'est voilà, ce sont tous des bénévoles, c'est une grande famille, une famille qui s'est unie autour d'un projet. On a quasiment fait la moitié et vous allez bientôt nous voir, on est sur la grande ligne droite où certains pilotes atteignent les 170, 180. La difficulté au niveau technique, c'est de respecter la mécanique, pouvoir aller vite en respectant d'abord la coque et puis ensuite les moteurs. J'essaie de faire ça le plus sérieusement possible justement pour être fiable et pouvoir voilà, aller très vite en gardant une continuité tout au long de l'épreuve sans avoir d'avarie technique. On met le bateau à la limite de ce qu'il peut faire, donc le risque c'est de s'envoler en bout de ligne droite, c'est de faire un tonneau à la bouée parce que le bateau croche dans une mauvaise vague. You can see the spectators are like everywhere. All of us are cheering. All of them are cheering. Actually, most of them for Team Abu Dhabi. But that's, you know, we are proud of that. And we have like a big thanks for the French spectators and everybody. On est très très fiers. Tout est dit et vive les 24 heures. Vive les 24 heures.